aujourd'hui, je vais proposer une nouvelle activité que vous pouvez réaliser à la maison. Alors, c'est une cour de la maison. C'est une idée qui a été proposée par l'autrice, illustratrice, réalisatrice de bande dessinée en particulier, qui s'appelle Pénélope Bagieu. Elle a proposé ça sur Instagram ou Twitter, je ne sais plus. Elle a appelé ça une cour à la maison. J'ai écrit ici. De Pénélope Bagieu, voilà, qui est écrit ici. Pénélope Bagieu est donc une autrice, j'ai plusieurs BD ou petits livres d'elle. Par exemple, celui-là qui date déjà de 2009, vous connaissez peut-être son style. Elle est déjà maintenant très connue, où elle a réalisé des livres sur la vie des femmes célèbres qui s'appellent Les culottées. Alors, ceux qui m'ont eu l'année dernière dans la classe de Claude, qui était en CE2 l'année dernière, ici, elle a même par exemple réalisé une petite BD sur Joséphine Baker qui danse avec la ceinture de banane. C'est juste pour vous rappeler et pour vous montrer un petit exemple. Donc voilà. Elle a elle-même du coup dessiné sa propre corona maison. Vous la trouverez sur le net. Il y a aussi beaucoup d'autres auteurs du coup qui ont suivi le mouvement, illustrateurs par exemple Laurel qui a proposé un exemple. Je vous montre ce que ça peut donner quand d'autres auteurs se mettent à réaliser cette corona maison. D'autres auteurs aussi ont réalisé des modèles vides en fait pour faire des coloriages pour les enfants. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Donc en fait, le principe c'est d'imprimer un modèle. Je vous mettrai aussi le lien pour accéder au modèle. Il s'agit d'une pièce vide, tout simplement avec un escalier. Vous voyez, c'est complètement vide. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vous mettrai le lien. Je vous conseille d'imprimer ce modèle un petit peu plus clair, donc en augmentant la luminosité, en baissant le contraste du modèle, parce que sinon on risque de voir les lignes en fait derrière votre dessin. Donc c'est le petit conseil que je vous propose pour ça. J'ai réalisé du coup moi-même, je suis amusée à réaliser ma corona maison avec une pièce avec, vous reconnaissez sûrement, le mini musée que je vous avais montré qui est derrière moi avec mes copies de tableau. Donc quand je l'ai partagé à mes amis copistes, restaurateurs d'œuvres d'art qui sont dans le milieu de l'art, comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que ça inspirera, mais vous pouvez réaliser vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te mettre tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!